Salut les amis, salut tout le monde et fort de plus, bienvenue sur vos prochains préférés Afrique TV. Aujourd'hui, on se tape pour une nouvelle partie d'information, plus précisément du côté du Burkina Faso, où nous avons la Russie qui lance la construction d'une centrale nucléaire du côté du Burkina Faso. Et bien les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti après le petit générique. Bon visionnage. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Ouagadougou et Moscou ont conclu un accord vendredi pour la construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso. Si le projet aboutit, le pays deviendra le second du continent à posséder une centrale nucléaire après l'Afrique du Sud. Le Burkina Faso et la Russie continuent de resserrer leurs liens. Un accord a été signé vendredi 13 octobre pour la construction d'une centrale nucléaire par Moscou dans le pays sahélien où moins d'un quart de la population a accès à l'électricité. Le Burkina Faso, dirigé par le régime militaire depuis l'an dernier, cherche à diversifier ses partenaires et s'est notamment rapproché de la Russie. Le gouvernement du Burkina Faso a signé un mémorandum d'entente pour la construction d'une centrale nucléaire, indique-t-il dans un communiqué. La construction de cette centrale nucléaire a pour objectif de couvrir les besoins énergétiques des populations, poursuit le texte. La signature de cet accord a eu lieu à l'occasion de la semaine russe de l'énergie qui s'est tenue à Moscou, à laquelle le ministre de l'étranger du Burkina Faso, Simon-Pierre Boussing, participait. Côté russe, le document a été signé par Nicolas Spaki, le directeur général adjoint de l'agence nucléaire Rosatom. Le mémorandum constitue le premier document dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique entre la Russie et le Burkina Faso, précise Rosatom dans un communiqué. Le document vient concrétiser le souhait du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui s'exprime en juillet dernier lors du sommet russe-afrique au cours d'un entretien avec les homologues russes Vladimir Poutine et détaillé le gouvernement burkinabé. Et bien les amis, c'était tout de ce qui était pour notre petite note informative. Car si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et à très bientôt pour une nouvelle partie de notre information. À très bientôt les amis. Bye bye.